sécurité alimentaire est un enjeu crucial en Afrique, depuis toujours. Pour promouvoir et garantir durablement la sécurité alimentaire sur le continent, le développement de l'agriculture doit constituer un levier stratégique axé sur l'amélioration de la productivité agricole et étroitement lié à la santé des sols ainsi qu'à l'apport suffisant d'engrais minéraux et organiques. Cultivons l'avenir en nourrissant les sols. Nous sommes aujourd'hui réunis autour de la table ronde de haut niveau sur les engrais et la fertilité des sols. L'augmentation de la productivité agricole nécessite des engagements forts afin d'appuyer durablement et efficacement le secteur agricole. Nous devons changer de paradigme pour améliorer la fertilité des sols en stimulant le développement de l'industrie des engrais en Afrique de l'Ouest. Nous devons renforcer la chaîne d'approvisionnement pour fournir des engrais jusqu'au dernier kilomètre dans les zones les plus reculées. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Le Niger a exonéré les engrais de tous les droits de douane. Il faut être béni pour être à côté du Nigeria. L'accès aux engrais adaptés aux sols locaux est essentiel pour accroître durablement la productivité agricole et lutter contre la faim et la pauvreté. Je me réjouis de ce que la présente table ronde de haut niveau sur les engrais et la santé des sols se déroule ici à Lomé. Le sujet des engrais et de la santé des sols est en effet très important pour nos économies agricoles. We urge the World Bank Group to mobilize support from development partners and IDA resources to support countries in the West Africa and the Sahel region. Il est donc impératif de relever les défis structurels persistants afin d'encourager et promouvoir le développement d'un système agricole équitable, productif et durable qui répondent aux besoins alimentaires et nutritionnels des populations. À mon sens, notre première responsabilité demeure celle de créer les conditions nécessaires à la satisfaction des besoins nutritionnels de nos populations en quantité et en qualité. Je travaillerai avec la commission de l'UEMOA pour créer les conditions nécessaires à la réussite de la mise en œuvre de cette feuille de route. Cette convergence des volontés politiques régionales qui nous réunit aujourd'hui permettra à terme de construire ensemble notre autonomie et un destin commun. C'est dire donc l'importance de la présente rencontre. Je vous remercie de votre aimable attention.